Bienvenue aux îles de la Reine Charlotte, en Colombie-Britannique. On est situé à environ 120 km de la côte du nord-ouest de la Colombie-Britannique, environ à 75 km de la frontière du sud-est de l'Alaska. C'est un endroit qui est magnifique ici, un archipel constitué d'environ 140 îles, une population totale d'environ 5000 habitants, une région qui a longtemps été dépendante de l'industrie forestière et qui de plus en plus se tourne vers le tourisme, surtout depuis la création de Haida Gwaii, le parc national d'abord, puis ensuite la réserve de conservation marine de Haida Gwaii, donc qu'on a annoncé récemment. On s'attend à ce que le tourisme s'intensifie ici au cours des premières années, des prochaines années, mais ça se fera d'une façon assez durable puisque toute la région est gérée conjointement avec la population locale et avec la nation Haida qui trouve ici son origine. C'est vraiment l'origine de sa culture, de tout son savoir, de toutes ses connaissances. Et ce sera donc une belle aventure pour la population, pour les gens qui habitent ce coin de pays qui est magnifique ici, qu'on appelle, en raison de la rareté de certaines des plantes qu'on trouve ici, qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde, la Galapagos du Nord.